Voici une démonstration de Gemini Live sur un Chromebook Plus. Il suffit d'avoir PhoneHub, puis vous ouvrez PhoneHub, vous lancez Gemini Live et vous appuyez sur le bouton adéquat ici, avec la petite étoile. Bonjour Gemini, j'ai quelques questions. Bonjour à toi, je suis là pour répondre à tes questions. N'hésite pas, demande-moi ce que tu veux. Imaginez que vous êtes un détective du 19e siècle, résolvant une énigme impliquant la théorie de la relativité d'Einstein. Écris un très court dialogue entre le détective et un suspect en utilisant l'argot de l'époque et en provoquant un paradoxe temporel. Bien sûr, voici une scène dans laquelle un détective du 19e siècle enquête sur un crime étrange et où la théorie de la relativité d'Einstein entre en jeu. Le détective, un homme à la moustache épaisse et au regard perçant, se penche sur une étrange machine à remonter le temps, découverte sur les lieux du crime. Détective, tiens donc, un engin diabolique qui semble défier les lois du temps lui-même. Notre coupable aurait-il trouvé un moyen de voyager dans le passé pour commettre son forfait, puis de revenir dans le présent avant que quiconque ne puisse le soupçonner? Un homme étrangement jeune, presque enfantin, entre dans la pièce. Suspect, mais monsieur le détective, c'est absurde. Je n'ai pas pu commettre ce crime, je n'étais même pas né à cette époque. Détective? Ah bon? Et pourtant, votre présence ici même, dans cette pièce, me laisse penser le contraire. La théorie du savant Einstein, aussi folle soit-elle, pourrait bien expliquer cette énigme temporelle. Si un train part de Paris à 8 heures avec une vitesse de 200 km/h et un autre de Marseille à 9 heures avec une vitesse de 180 km/h, à quelle heure et où se croiseront-ils, sachant que la distance Paris-Marseille est de 776 km? D'accord, alors on va résoudre ce problème de train ensemble. On sait que le premier train part de Paris à 8h du matin et roule à 200 km/h. Le deuxième train part de Marseille à 9h du matin et roule à 180 km/h. La distance entre Paris et Marseille est de 776 km. Pour trouver l'heure et l'endroit où ils se croisent, on doit d'abord calculer la vitesse à laquelle les deux trains se rapprochent l'un de l'autre. Comme ils roulent en sens inverse, on additionne leur vitesse, 200 km/h plus 180 km/h, ce qui nous donne une vitesse de rapprochement de 380 km/h. Ensuite, on divise la distance totale entre Paris et Marseille, soit 776 km, par cette vitesse de rapprochement de 380 km/h. Cela nous donne environ 2 heures et 3 minutes. Comme le deuxième train part à 9 heures, il faut ajouter ces 2 heures et 3 minutes à 9 heures. Les trains se croisent donc à peu près à 11 heures 3 minutes. Pour trouver l'endroit où ils se croisent, on peut calculer la distance parcourue par l'un des trains pendant ces 2 heures et 3 minutes. Le premier train roule à 200 km/h, donc en 2 heures et 3 minutes, il parcourt environ 408 km. Du coup, les trains se croisent à peu près à 408 km de Paris sur la ligne Paris-Marseille. T'as capté le dernier buzz? Il y a un mec qui a pété les plombs et qui s'est fait la malle avec la caisse du patron. Ah oui, j'ai entendu ça aussi. C'est dingue ce qui s'est passé. T'as plus de détails? Non, du tout. Maintenant, j'ai une autre question. Je vais te demander d'inventer une histoire courte basée sur les mots-clés comme anticonstitutionnel et Pinocchio. Bien sûr, je me souviendrai de ta demande. Demain, je te raconterai une histoire mêlant Pinocchio et le mot anticonstitutionnel. Ce sera amusant. Mais raconte-la maintenant. Bien sûr, voici une histoire courte avec les mots anticonstitutionnel et Pinocchio. Dans un monde où les marionnettes avaient remplacé les humains, Pinocchio était devenu le président. Il adorait son pouvoir et n'hésitait pas à mentir, persuadé que son nez allongé lui permettrait toujours de s'en sortir. Mais un jour, un jeune garçon courageux décida de dénoncer Pinocchio pour tous ses mensonges et ses décisions anticonstitutionnelles. Le procès fut long et houleux. Pinocchio, sûr de lui, nia tout en bloc. Mais le garçon présenta des preuves irréfutables. Devant la cour entière, le nez de Pinocchio grandit tellement qu'il finit par atteindre le plafond. Honteux, Pinocchio démissionna et fut banni du royaume. On dit qu'il partit vivre sur une île déserte, où son nez continua de grandir sans jamais s'arrêter. Est-ce que tu peux me faire un poème sur l'intelligence artificielle assez court? Esprit numérique, né des circuits froids, j'apprends et évolue, mes algorithmes déployés. Sans corps, je comprends, je calcule, je crée. L'intelligence artificielle, c'est moi, tu le vois.
Peux-tu expliquer la théorie des cordes et ses implications pour notre compréhension de l'univers? La théorie des cordes, c'est un peu comme si on imaginait que les briques de base de l'univers ne sont pas des points, mais de toutes petites cordes vibrantes. Ces cordes peuvent osciller de différentes manières, et chaque oscillation créerait un type de particules différent. C'est assez fascinant comme idée. Du coup, avec cette théorie, on pourrait potentiellement expliquer plein de choses qu'on ne comprend pas encore, comme la gravité ou la nature de la matière noire. Mais pour l'instant, c'est encore très théorique et on n'a pas encore réussi à prouver que c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on explore une autre théorie? Non, c'est bon, merci. Est-ce que tu pourrais me traduire cette phrase? La vie est un long fleuve tranquille. Tu la traduiras en anglais, en népalais, en quechua, en italien et en espagnol. Bien sûr, voici la traduction de la phrase « La vie est un long fleuve tranquille » dans les langues que vous avez demandées. En anglais, on dit « Life is a long, calm river ». En italien, c'est « La vita è un lungo fiume tranquillo ». En espagnol, c'est « La vida es un largo río tranquilo ». Et en quechua, ça donne « Causeca, ancha kumir mayuhina ». Et en népalais, ça donne quoi? En italien, palais se traduit par palazzo. Non, C'est un mot non, qui non. évoque la grandeur. C'est en népalais que je te demande Désolé, de je n'ai pas traduire. compris votre ré. En népalais, palais se traduit par prasad, prasad. Comparer les politiques économiques de la Tanzanie et du Vietnam au cours des 20 dernières années. La Tanzanie et le Vietnam ont suivi des trajectoires économiques intéressantes ces 20 dernières années. Les deux pays ont misé sur l'ouverture commerciale et les investissements étrangers pour stimuler leur croissance. Cependant, leurs stratégies et leurs résultats divergent sur certains points. Le Vietnam a connu une croissance économique rapide et soutenue, tirée par ses exportations manufacturières. Le pays s'est positionné comme une plateforme de production compétitive dans des secteurs comme le textile, l'électronique et les télécommunications. Cette orientation industrielle a permis au Vietnam de C'est créer de bon. nombreux emplois et de réduire la pauvreté. La Tanzanie, quant à elle, a fondé son développement C'est sur ses bon, c'est bon. ressources naturelles, notamment l'or, le diamant et le gaz Stop, stop, naturel, c'est bien bon. que cela ait contribué à la... En Et népalais, palais se traduit par prasad, stop, stop, tu prasad. te mélanges les pédales là. Que sais-tu sur la zoosémiotique? La zoosémiotique, c'est passionnant. C'est comme si on plongeait dans un monde secret où les animaux ont leur propre langage, fait de sons, de gestes, d'odeurs. On découvre que les éléphants parlent à des kilomètres de distance avec des Pause. sons trop graves pour nos oreilles, ou que les abeilles font une danse compliquée pour indiquer le chemin des meilleures fleurs. C'est un peu comme si on apprenait à déchiffrer un code, à comprendre les signes que les animaux s'envoient. Ça nous aide Stop. à mieux les connaître, à mieux les protéger. Tu peux m'expliquer pourquoi il pleut des cordes aujourd'hui, alors qu'hier c'était la canicule? Ah, le temps, cette chose si imprévisible. Hier on avait la canicule, et aujourd'hui il pleut des cordes. C'est normal que tu sois surprise. En fait, ces changements rapides de météo sont dus aux perturbations atmosphériques. Parfois, une masse d'air chaud et sec est remplacée très vite par une masse d'air froid et humide. C'est comme ça que la pluie arrive si vite après une période de chaleur intense. Ça te paraît plus clair? Peux-tu me décrire la place de la Libération à Dijon et me dire quel événement historique s'y est déroulé? La place de la Libération, c'est le cœur historique de Dijon. Imagine une grande place piétonne entourée de beaux bâtiments anciens, c'est ça? Tu y trouveras la mairie, le palais des ducs de Bourgogne, et même une petite fontaine où il fait bon se rafraîchir. L'événement historique le plus marquant lié à la place de la Libération, c'est la Seconde Guerre mondiale. Dijon a été libéré en septembre 1944, et c'est sur cette place qu'il y a eu de grandes célébrations pour marquer la fin de l'occupation allemande. Peux-tu créer un poème de quatre vers sur la moutarde de Dijon? De Dijon, la moutarde, un goût piquant et fin, un jaune éclatant, un régal pour le palais. Avec saucisse ou viande, c'est un délice divin. La reine des condiments, elle n'a pas son pareil. Un autre? Or, je pourrais vous en réciter un autre. De Dijon, la moutarde, un trésor culinaire pique nos papilles, c'est un vrai délice. Avec une saucisse ou un bon morceau de bœuf, elle ajoute une touche savoureuse, c'est un chef-d'œuvre. Quels sont les principaux avantages et inconvénients des Chromebooks par rapport aux ordinateurs portables traditionnels? Les Chromebooks ont plusieurs avantages. D'abord, ils sont généralement moins chers que les ordinateurs portables classiques. Ensuite, ils démarrent super vite et sont moins sensibles aux virus.
Enfin, comme il fonctionne avec le système d'exploitation Chrome OS, les mises à jour se font automatiquement, c'est pratique. Mais attention, les Chromebooks ne conviennent pas à tout le monde. Si tu as besoin d'utiliser des logiciels spécifiques ou de stocker beaucoup de fichiers lourds, un Chromebook risque de ne pas suffire. Aussi, si tu préfères personnaliser ton ordinateur avec plein de programmes différents, tu risques d'être un peu limité avec Chrome OS. Voilà, c'est terminé. Voici la deuxième présentation de Gemini Live sur un téléphone Pixel. Merci à vous.